Jour 3 de Fallen Kingdoms. Fallen Kingdom. Donc, on va continuer d'aller dans les grottes. Du coup, on a eu pas mal de. On a eu une slime ball, ça c'est cool. Si on veut se faire une petite salle des coffres bien tranquille. Ouais, bien tranquille, bien caché aussi. On a de la bouffe. On avait un thé mort aussi une fois dans le précédent épisode. Toc. Hop, du coup là on va se faire une pioche pour commencer. Hop. Hop. Puis le reste on le garde de côté. On va se faire un petit seau d'eau. Et on va aller chercher de l'eau. Donc voilà, ouais, donc début du jour 3. Et ça avance vite, hein. Déjà jour 3. En 2 jours, c'est le Nether. Je pense que Badox va rush Nether quand ça sera possible. Moi, ça va pas être possible. Moi, je le ferai pas. Je préfère mettre ça des coffres là-dedans. Lol. Hop. Ou peut-être plutôt mon lit là-dedans. Tac, on va se faire des petites bobottes. Ah. Est-ce que j'ai encore du charbon? J'ai plus de charbon. Je vais aller voir s'il n'y en a pas là. Par ici. Du charbon. Il y en a là. Voilà, tac. On va essayer de pas trop suréclairer les alentours. Bon, il fait que de pleuvoir dans cette saison, c'est la saison des pluies. J'ai une grosse impression. Hop. Tac. Donc, faire ça. Plus casque. Voilà. Donc là, il ne me reste plus que 3 de fer à voir, puis je suis full fer. Tac. Là, il n'y a plus qu'un. Et après, c'est rush enclume, enchante, etc. Le rush de la vie, comme on dit. Hop. Allez, c'est parti. Voilà, ça spawn en bas. Hop, tac. Bon. Là déjà, je suis un peu plus fort. Hein. Avec un petit stuff full fer, je suis déjà plus fort hein, que à poil. De l'or. Ça c'est intéressant aussi. Est-ce qu'on se fait la Nut Chapel ou pas? Lors de l'assaut, ça pourrait être assez intéressant. La Nut Chapel, c'est celle avec les blocs. Ça veut dire qu'il nous faut 72 blocs d'or. Si on y arrive. Ça va être cool.
Donc là aussi, il faut l'enclume. Hop. Donc là, on est tranquille. Donc 72 blocs, c'est-à-dire 2 fois 36. Hop. Ça spawn, ça spawn. Dis donc. Hop. Tac. Là, j'ai l'impression que j'ai le mode tryhard activé là. Voilà. Du coup, ouais, faut que je mette. Ouais, d'accord, c'est là. Bon. Hop. Salaud, putain. Putain, j'ai pris cher, hein. Allez, deux morts. Mon dieu. Elle est en train de dire putain, il y a les crottes. T'as mon XP encore que j'ai perdu. J'ai pas mon épée. Où est mon épée? Elle est là. C'est quoi ces grottes de l'enfer là? C'est quoi ce délire? Ah, j'ai pas mon soude par contre. Me refaire des torches avec tout ça, hop hop hop, il faut mon pseudo. Où est-il? Je l'avais pourtant mon pseudo. Ah, il est là. C'est bon. Saloperie. Donc je suis cassette. Et je peux même pas farmer tranquille sans qu'il y ait des mobs de partout.
Hop. Bon, j'ai déjà une petite pomme d'or. Tombe de fer, je suis bientôt l'enclume. Mais bon, je vais me faire que les... Je crois qu'il y a une saison, je pense que j'ai juste autorisé le plastron et l'épée en diams. Sinon la race, ça sera interdit. Le full diams sera pas autorisé. Donc je vois ça pour une future saison. Ouais, de l'émeraude. Dégage toi. Ah, ça fait quand même du bien de pour spawn sur un squelette. C'est un sacré film là par contre. Voilà. Ça pour l'instant je vais pas le prendre. Ça je prends. Tac. De toute façon tout le fer je prends parce que je vais en avoir besoin. Faut mettre du diamant à la place. Moi j'en ai deux. Tant pis. J'en ai deux, c'est pas grave. Oui. C'est pauvre ces zombies. Faudrait qu'il nerf un peu plus tard. Dans la 1.15 qui sortira. Dès qu'il nerf parce que c'est relou. C'est relou à souhait. J'ai pas pris le lapis sur route. Je vais marquer, je vais dans les grottes. Est-ce que... Il n'y a pas trop de danger. Il reste du lapis. Parce que si j'arrive à faire l'enchant, il va falloir que si j'ai pas de lapis, ça va être un peu de problème. J'ai l'impression que je n'ai pas partout du diamant, enfin des ressources. On va prendre l'or qui est là. Sinon vous allez me le spam dans les commentaires. T'as oublié l'or ici. On va prendre le fer. Je pensais que j'allais avoir un gros filon de diamant, mais pas du tout. Je suis assez triste. On va aller voir par là. Hey. Il y a de l'émeraude, ça c'est bon signe. C'est qu'il y a des ressources ici. Merde, c'est de l'or, mais on prend quand même. Comme ça, si on peut avoir un jour la Night Chapel. Ça va être Bruno. On est déjà à la moitié. Je marque 2. Après l'épaisseur, c'est tout qui y va.
Hop. Oui. J'espère qu'il va pas me faire une muraille de bâtard. C'est tout ce que j'espère. Il en manque un. Du coup. Parce que là, on se met à 4. Si je peux avoir l'enchant. Je pense que le prochain jour, on se fera la salle des coffres avant d'aller dans le Nether. Du coup, je pense qu'on va se faire ça. On va du moins essayer de faire une salle des coffres. Bon, il va me falloir un peu plus de charbon. En tout cas, on avance bien en termes d'or. D'abord on va essayer de se faire un bon petit stuff full fer pour le Nether. Donc juste un et je peux me faire l'enchant. Hop. Nickel. C'est ce que je voulais. Et sinon tu prends les... T'attends les autres pour voilà là. Ouh, toi le diamant. T'es la bienvenue. C'est pour avoir une pièce en diams. Pour l'instant je sais pas trop encore. On vient tout juste d'avoir mes diams. Donc, on va dire j'ai mis trop pour la pioche. On va dire que j'ai une pièce plus épée. Ah bah non. Bon bah voilà que c'était bien sympathique. What the fuck. Il a pas m'étonné là. Bon je crois que je vais retourner à la base. Ouais je vais retourner à la base. Je vais y retourner parce que j'ai bientôt plus de pioche. Comme ça je vais me faire la pioche en diamant puis essayer d'avoir l'obsidienne qu'il me faut. Puis finir d'avoir tout ça. What? On est déjà au quatrième jour. Bon bah les amis on va s'arrêter là du coup. Ça passe trop vite. J'espère que ça vous aura plu. Oh. J'étais un peu trop costaud là. Bon, j'espère que ça vous aura plu, cet épisode. Du coup, on se retrouve dans le prochain jour. Allez, bye bye!